Bonjour, bonjour. Bienvenue sur la chaîne de Lynn, ses loisirs et ses passions. Comment allez-vous? Écoutez, je suis très excitée. J'ai placé une commande sur Temu. C'est tous des articles de Pointe-Croix. Puis, c'est rare que je commande sur Temu, mais là, ça m'a tenté. Puis, je suis surprise parce que j'ai placé la commande mercredi dernier. Puis là, on est mardi. Ça veut dire que du moment de la commande jusqu'à la réception, ça a pris 6 jours. Aussi surprenamment, ça a été expédié directement de Richmond en Colombie-Britannique. Ce qui veut dire qu'ils ont un entrepôt au Canada. C'est de là qu'ils ont expédié ces articles-là. Alors, c'est... j'ai pas ouvert le colis. J'ai plusieurs accessoires. Alors, je vais vous montrer ça. Puis, là, j'essaie d'ouvrir le sac sans déchirer des choses que je ne voudrais pas déchirer. OK, bon ben, je vais sortir du sac à mesure. Enfin, je vais commencer par les plus gros articles, puis aller vers les plus petits. Alors, on commence par ça ici. Oups! Ça ici. Alors, vous connaissez, ce sont des sacs de grandeur A4. Alors, c'est la même grandeur que ceux que j'ai déjà. Si je regardais, ouais, c'est la même grandeur. Sauf qu'eux autres sont tous blancs, puis ils ont des fermetures éclair de couleurs différentes. Je suis supposée d'en avoir 24, je me souviens bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. OK. Alors, dans des 3, 1, 2, 3, c'est ça, 24. Bon, alors, c'est des sacs, tout simplement. Grandeur A4. Alors, j'en ai toujours besoin. Alors, ça, c'est un premier article que j'ai commandé. Ensuite, j'ai commandé des sacs de grandeur A3 parce que j'ai des toiles qui sont avec les fils. C'est trop grand pour rentrer dans un sac A4. Alors, fait que ça, c'est supposé d'être des A3, puis supposé d'en avoir, je pense que c'était 5. On voit qu'ils sont pliés. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, c'est des grandeurs A3. Alors, pour mes plus grandes toiles, mais ça va être parfait. Parce que sans ça, je suis obligée de les mettre dans deux sacs, de mettre une partie de la toile dans un sac. Bien, la toile dans un sac, les fils dans un autre. Mais là, je vais pouvoir mettre tout ensemble. Alors, il n'y a rien de très excitant là-dedans. C'est des... Quelle grandeur déjà? Au niveau du centimètre, on parle de 43 centimètres par 29. C'est très bien. Ensuite,
OK. J'ai commandé ceci, qui est un autre ensemble de... Oups! De... cerceaux. L'autre fois, j'avais commandé des cerceaux... attendez. Je ne sais pas... Voyons. Comme ça, qui sont rectangulaires. Eux autres, ils sont plus sous la forme... rectangulaire rond, je sais pas. C'est pas ovale, c'est pas rectangulaire, c'est rectangulaire avec des angles ronds. Je sais pas comment dire le tout. Alors, j'ai le plus petit cerceau. Il mesure 90 par 130. Je me demande si c'est, ça doit être à l'extérieur, pas à l'intérieur. Ouais, c'est de l'extérieur. De l'intérieur, on parle plus, on enlève 20 mm certains. Oui, 20 mm de moins pour l'intérieur. Disons que ce cerceau-là, je ne vois pas. On peut peut-être faire des signets que je pourrais utiliser. Lui mesure 130 par 200. Celui-ci mesure 180 par 260. Puis je les aime bien, c'est les cerceaux rectangulaires, je les aime bien. Ceux-là, bien, je vais les essayer, mais d'après moi, je vais bien les aimer. 230 par 330. OK. Alors, d'autres cerceaux. Puis, j'ai commandé, je pense que c'était... C'est-tu... Ah, oh, c'est là-dedans. C'est-tu... je me demande qu'elle s'appelle, là. Indigo, c'est moi, là. Puis elle disait qu'elle essayait un cerceau, qu'elle aimait bien ce cerceau-là. J'en avais pas des cerceaux comme ça. J'ai décidé de m'en commander un. Mon Dieu! Je vais aller être sûr qu'il s'en fout pas. Ça, là, c'est vraiment... c'est vraiment... Ah! Oh. C'est un cerceau, j'avais jamais vu ça. C'est un cerceau comme ça, fait qu'on met, je sais pas, on met la toile là-dessus, ensuite on met ça par-dessus, puis ensuite on l'étend. Faudrait que j'essaye, mais j'ai pas... Attendez, je vais essayer avec une toile ici. C'est la première fois que je vois un cerceau comme ça. Alors, je vais enlever ça ici. Si je comprends bien, ce que je ferais, c'est... Je mettrai ça ici, comme ça. Qu'est-ce qui est tombé? Ah, les ciseaux. OK. Alors, je mets ça comme ça. Puis, je mets ça ici. Attendez, le cerceau, il est où? Il est ici. J'essaie de comprendre comment ça fonctionne. Je comprends pas.
c'est le contraire, je mets... Oups! J'essaie de comprendre comment ça fonctionne. Ça ici, vous me voyez jongler, comme ça. Mon chose y est ici. OK. Non, faut vraiment que je le mette dans l'autre sens. Comme ça. OK. Mais moi, étant donné comment j'aime travailler, ce serait plus... Je mettrais ça comme ça. Ça comme ça. Ça. C'est-tu sous tension? Je peux tirer sur ma toile. Ah bon, bien, c'est à essayer. Ouais, ça a l'air sous tension. En tout cas, il est facile à... Une fois qu'on a compris le principe, il est facile à mettre. Hop. Bon, ben, un autre affaire. Aïe, aïe. On y essaiera ça, voir. Bon. Ensuite, j'ai bien d'autres articles. Restez. Je vais juste plier ça. Remettre ça à sa place. Bon, je vais sortir ça tout de suite. Ça, c'est pas super excitant. J'en ai commandé trois ensemble. C'est des plaquettes ou des couleurs qui peuvent aller jusqu'au numéro 111. Attendez. Comme ça. Alors, j'ai de 1 à 37 ici. J'ai de 38 à 74 ici. Puis j'ai de 75 à 111. Ça veut dire que chaque plaquette, je peux avoir 37 couleurs. Alors, ça peut être utile. Je vais juste enlever ça tout de suite, ces emballages-là. Ils sont de couleurs différentes. Ils sont pas de la même couleur nécessairement. Voyez-vous, pour le numéro, je peux... J'aime ça les avoir des couleurs différentes. Fait que voyez-vous, un, celui-là ici, un, il a la même couleur, mais lui, non. Lui, il est rose. Fait que ça, c'est les trois. Puis ensuite, ben, 45 à 38, si j'ai... Fait que j'ai deux roses comme ça, puis un vert. Puis lui, ben, j'ai un vert, puis deux roses. Je peux les mettre dans... Pour que, avoir des ensembles, j'ai trois couleurs différentes. Fait qu'à ce moment-là, dire ça, un... OK. Lui... Et lui, j'ai trois couleurs différentes.
Parce qu'à force de travailler avec, quand on travaille, mais on se souvient que les gros numéros sont sur la couleur 8, là, à force de travailler sur le même kit. Puis là, ici, ouais, j'aurais pas le choix d'en avoir deux de la même couleur parce que là, ici, un, comme ça. Lui, comme ça. Puis lui, comme ça. Puis je suis obligée d'avoir deux roses pour l'autre. Ah, oh, ah, oh, oh. OK. Bon, ben, c'est pas grave. C'est parce que j'ai pas. Bon. Et je suis difficile, hein, mais ils avertissent que les couleurs sont aléatoires. Alors, fait que j'ai trois ensembles de organisateurs de fils. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Attendez. Ça, ça. OK. OK. J'ai ça ici. C'est quand j'utilise des. Excusez, des. D'ailleurs. Des floss drops, là, en bon français, là. Bon, au lieu d'utiliser un anneau en métal pour toutes les réunir, je peux utiliser ça. Puis ensuite, ça se visse ici. Fait que j'ai acheté ça. J'en ai cinq. Alors, je vais remplacer. J'avais mis un anneau en métal pour mes maisons fabuleuses. Je vais remplacer l'anneau en métal par ça, parce que mon anneau en métal, il était trop petit. Puis c'est sûr qu'à mesure, je vais rajouter des... Bon, là, attendez, je vais essayer de toutes les sortir. J'ai cela. Voyons. J'ai cela. J'ai mis un autre. Attendez, ça ici. Ça ici. Ça ici. Ça ici. Et c'est autre chose là-dedans. Non. OK. Alors, j'ai acheté plusieurs Needleminder. OK. Alors, il y en a un que je trouvais trop charmant. Ben, je les ai trouvés tous charmants. Si je les trouvais pas charmants, je les aurais pas achetés. Oups. Bon. Alors, les deux premiers, j'ai essayé de les garder séparés. C'est deux chats dans des tasses. OK. Puis, vous voyez que... Oups. C'est bien magnétique. Alors, j'ai ces deux-là. Ensuite, deux chats encore. J'ai-tu dit que j'aimais ça, les chats? Vous ne saviez pas, hein? Je vous le dis, là. Alors, oups. Il y en a un que... Il a décollé. Il faudrait que je le recolle parce que l'aimant a décollé. Alors, j'ai un chaton ici qui est assis sur un livre à côté d'un café. Puis j'ai un autre chat ici qui est à la plage. Mais le chat à la plage, l'aimant a décollé. Alors... Faut que je le recolle. Alors, je vais mettre ça de côté. Et finalement, j'ai
j'ai acheté cet ensemble de... Ah! Il n'y a pas l'aimant qui va en dessous. Il y a juste l'aimant qui est collé à la... Alors, c'est 4 éventails. Oups! Alors, 4 éventails. Ils sont pas en plastique. On dirait qu'ils sont plus en bois carrément. Alors, je vous le montre, là. Ils sont très jolis. Et ceci. Alors, fait que, autrement dit, pour mes Needle Minder, j'ai cet ensemble-là. Cet ensemble-là avec mon chat où est-ce qu'il va falloir que je colle les aimants, puis 4 éventails. Je vais mettre ça de côté. Eh, ils veulent tous se coller ensemble. Et finalement, j'ai acheté un paquet de signets. Un paquet de plusieurs signets. Et je vais commencer par... Oh! Oh! Alors, c'est tous des signets en point de croix compté. J'ai commencé par celui-ci. On a deux chiens. Alors, on a ici deux aiguilles et qu'ils ont oublié le pompon, mais c'est pas grave, moi j'en veux pas de pompon. J'ai un crayon pour faire les dessins, alors pour des crayons effaçables. Alors voyez les couleurs du premier. On va regarder le premier qui est le chien blanc, la tête blanche avec ça a l'air des pommes, oui, avec un petit fond vert en arrière. Alors, on a 10 couleurs pour les deux, alors, mais c'est pas les mêmes couleurs. Alors, je vous montre les 10 couleurs. Puis ensuite, on a un autre chien ici qui a l'air d'un beagle avec des marguerites. Et là, on voit les couleurs ici. Les deux sont complètement brodés. Puis c'est de l'Aida 14CT, mais qui est comme plastifié. Ben, c'est pas du coton, je sais pas, c'est plastifié, mais c'est pas raide, mais ben, c'est pas une planche de plastique, là, mais. OK. Alors, qu'il n'y ait pas de pompons, pour moi, ça ne me dérange pas. De toute façon. Je ne raffole pas des pompons. Deuxième, ici. Alors ça, ça vient de Dream Pattern. C'est en 14CT. Avec du coton. Je cherche à quel point où est-ce que ça s'ouvre. Alors celui-là avant il mesurait 30 par 104 points. Alors lui ici, nous avons, oh, ouais, ben ça a l'air d'être pas mal la même, non, il est un peu plus, en fait, de nombre de points de large, c'est pas 30, on a 4 de moins,
c'est 27. 27 par 102. Deux fois. On a du point arrière à faire. Alors, on a un total de 22 couleurs. Puis, on a 4 couleurs en point arrière. C'est tout du point de croix. Ils disent qu'on utilise deux brins pour le point de croix, puis il y a un brin pour le point arrière. Il n'y a pas de demi-point de croix, même s'il en parle ici. Mais sur ce motif-là, il n'y a pas de... Et c'est un partiel. On voit ici qu'il y a des places qui ne sont pas brodées. Wow! Très joli, ça. Ça, c'est... C'est de l'aide, mais... il n'est pas aussi plastifié que l'autre, mais je ne suis pas sûre s'il n'y a pas du... Pas sûre si c'est plein 100% coton non plus. OK. Ster et boule de gomme. Alors, on a les... on a un pompon. Bon. Au moins, le pompon va avec le motif, parce que j'ai des fois, j'avais des pompons qui n'allaient pas du tout. Mais c'est la première fois que j'en ai un de Dream Pattern, un signet. Alors, je vous montre les couleurs. Oh! Très, très jolie couleur. Puis, on a 21-22 ici. Puis, on a deux aiguilles ici. Oh! Je n'avais commandé, je n'avais reçu la semaine passée de VIP Cross Stitch. Vous l'ai-tu déballé? Je pense que oui. Puis, c'était de cette marque-là. Je ne sais pas de quelle marque c'est. Il n'est pas marqué. Puis, c'est la première fois que j'en ai de Dream Pattern. Tu es contente? OK. Dream Pattern. Très contente. Ensuite, ça, je vais mettre ça de côté, c'est parce que c'est collant. Puis c'est d'essayer de rentrer ça sans que ça colle sur le papier. Ensuite, j'ai deux autres kits, mais ça contient 6 signets à chacun. Ah! OK, alors, toujours en point de croix compté. OK. On va mettre ça ici. Oh mon Dieu! Ha! Ah, je n'ai pas du point de croix compté, c'est du point de croix imprimé. Ah! Ça, c'est carrément de l'AIDA. C'est pas du point de croix compté, c'est du point de croix imprimé. Bon, ben. OK. Ça fait que c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, bon, ben, vous savez, avec des chats, alors on voit, on a un chat au-dessus d'un champignon, plusieurs chats noirs avec des cactus, avec une plante verte, une autre plante verte, puis grain dedans, sur une pile de livres, puis au-dessus des bibliothèques. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 couleurs. On a un petit... Oh! Oh, quand même! On a des ciseaux. On a une enfileuse, puis on a un petit contenant avec plusieurs aiguilles. Oh, il y a un chien pas. On est supposé avoir combien de couleurs? 2, 4, 6, 8, 10, 13. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. OK! C'est du 14CT. C'est imprimé. Puis je vous montre, là, c'est très bien imprimé. Puis là, je voyais le patron. Je disais, ça va être difficile à suivre, mais c'est tout en point de croix imprimé. Alors ça, on a... Celui-ci. Celui-ci. Ils sont bien imprimés. Puis voyez-vous, ça n'a pas dépassé. Si. Alors, il n'y a pas de point arrière là-dessus. Ce n'est que du point de croix. Ça et ça ici. Fait que c'est quand même très bloc chacun.
on a des bordures différentes. Regardez ici, ici on a, ici c'est plein, ici on a des petits pointillés ici, ici des plus longs pointillés, ici comme, ils sont tous différents leurs bordures. Wow! Oh, je suis contente! Je suis contente! Ici ils disent, ils expliquent qu'on a des instructions, et les instructions habituelles, puis c'est le fun, on a des échevaux, je veux dire. OK. Et, alors, je vais mettre ça avec ça ici. Et le dernier, c'est aussi un ensemble. Il est imprimé aussi de 6... De 6... 6 signets. Alors, je vous sors. On a quand même... OK, alors... On a les patrons ici. Et là, c'est comme deux sets de couleurs. Faudrait que je regarde. Le 310 qui revient dans un des les deux, 906. Je ne sais pas s'il va l'avoir deux fois. 904. 906. Non, il va l'avoir juste une fois. Faudrait que je regarde, voir si j'ai toutes les couleurs, mais on va regarder les... Alors, on a le même petit toolkit que dans le précédent. Alors, une enfileuse, une petite paire de ciseaux et une petite boîte avec un petit tube avec des aiguilles. On regarde. Oh, que c'est joli! Ça. Ça. OK. Ça. Ça. Wow! Mais j'aime beaucoup. Puis en fait, ce que je vais faire, je vais regarder, voir. Parce que là, ici, j'ai 904. Ici. Ça, c'est 906. 935. Huit cent seize, trente-sept vingt-six, trente-huit vingt-six. Ah, les échevaux sont déjà coupés. ça, c'est quoi? 876 ou 976? Attendez. Ça, non. Non, je cherche le 976. Ceci. Ensuite, on a le 209. Ici. Le 210. Ici. Le 945. Ici, puis le 310, ici. Fait que pour ces trois-là, on a 2, 4, 6, 8, 10, 11 couleurs. Et ici, si je regarde, j'ai 720, 721, 722, 945. Il l'avait dans l'autre, mais il réplique. 38-26, ben je l'avais dans l'autre ici. Donc, 38-26, il est ici. 976, je l'avais dans l'autre. 976. 977, ça c'est un nouveau. 310, j'en ai un ici additionnel. 906, je prends celui de l'autre. 904 ici.
208, 209 et 210. C'est quoi ces fils-là? J'ai 803, 317, puis 37, 56. D'où ça vient, ça? Ils sont même pas là-dedans. 803. On a les choses ici. Mais j'en ai trois. Ça ici, je mets 803. Il est marqué ici. Là, ils disent, OK, 237, 56, j'en ai deux. 945, j'en ai deux. 310, j'en ai deux. Mais je comprends pas où est-ce qu'ils vont, ceux-là. Ah, bizarre! 803. Ah, ils sont ici. OK. Ah, c'est pour chacun. Pour chacun des choses, il y a son chose. Ah, ben, j'avais pas vu. OK, alors, 803, il s'en vient ici. 37, 56, il s'en vient ici. Ben, j'avais pas vu, j'avais vu ça, puis ça, mais j'avais pas remarqué qu'il y en avait. Il y a une palette de couleurs pour chacune des choses. Chacun des signets. J'ai 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 échevaux. Wow! Il faudrait que je regarde, voir combien je l'ai payé, ça. Je vous dis, c'est vraiment ma commande. $14,48. J'avais un rabais après. Oui, j'avais un rabais après. De, je me souviens plus, attendez, là, de... Wow! Regardez, mon total était 88,60, puis j'avais économisé 99,86. C'est comme... ça, c'est pas le prix que j'ai payé. J'ai pris comme la moitié de ça. Oui, ben franchement, là, ça valait la peine. Ça valait la peine. Disons que si c'était du point de croix compté, je serais déçu du patron parce que je trouverais ça difficile à suivre. Mais c'est du point de croix imprimé, puis les choses sont trop cute. Puis moi, c'est sûr que je vais en mettre un collé à l'autre, là, parce qu'il y en a qui collent, qui causent avec du feutre. Mais moi, je vais préférer les coller un à l'autre. Fait que je vais choisir lesquels je veux coller un à l'autre. Puis, ça, ben, comme ça ici. Ben, ces deux-là, je trouve qu'ils vont ensemble. C'est juste ceux-là ici. Faudra que je trouve comment je veux les assembler. De toute façon, c'est pas ben, ben grave. Alors, ben, c'était le tout de ma commande chez Temu. Je suis très, très contente. Je suis très surprise de la rapidité de la réception. Puis, je vais me dépêcher de finir mes signets que je fais actuellement pour commencer d'autres signets. Là, j'ai trop des beaux signets à faire. La seule chose que je me demande, c'est comment... parce que moi, ça me prend tout le temps sous tension, là. Ça fait que, je sais pas, là, c'est là que je vais dire, ben, je peux-tu utiliser les pistons de... ces petits, mais même,
ça tient pas, c'est trop large pour tenir c'est trop large pour tenir même au niveau de ça. C'est sûr que la seule chose que je peux faire, c'est les tenir, le mettre sous tension sur un sens, mais pas, je peux pas le mettre sous tension des deux côtés. C'est le seul inconvénient. Mais, je vais être capable de survivre. Je sais pas si je mettais un petit peu plus grand, comme ça, que je le mettais. Ouais, il ferait pas au complet, mais... C'est parce que le problème, c'est que les signets, moi, c'est quand je les commence, tandis que c'est pas très grand, c'est que je fais une couleur à la fois, puis je fais le signet au complet. Fait que... Mais il faut que ça puisse rentrer dans un cerceau quelconque au complet, parce que moi, je travaille pas... J'aime pas tenir les affaires à la main. Là, je vais venir toute crispée de ma main gauche. Puis, bon, alors, une grosse décision à prendre. Quel outil j'utilise pour mettre sous tension? Bien, j'espère que vous avez... Enfin, si je récapitule ma commande avant de partir, j'avais 24 sacs A4. J'avais 5 sacs A3. J'avais un ensemble de cerceaux rectangulaires ovales de 4 grandeurs. J'avais un cerceau rond avec la clip que je vais tester. J'avais trois ensembles d'organisateurs de 3. J'avais trois ensembles de Needleminder. Puis j'avais quatre ensembles de signets, 2, 2, 6, 6. Puis les 2, 2, c'était en point de croix compté, puis 6, 6, c'était en point de croix imprimé. C'est tout sur du 14-7. J'espère que vous avez apprécié ce petit... Je suis déjà rendu 42 minutes. Le temps passe vite quand on s'amuse. Alors, j'espère que vous avez apprécié ce déballage qui n'est pas en partenariat, qui est des achats que j'ai faits. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vais essayer de mettre en description tous les articles, les liens pour tous les articles. Je ne vous promets pas, mais je vais essayer. Alors, j'espère que vous avez apprécié ce déballage. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Commentaires et suggestions sont toujours les bienvenus. Un pouce en l'air, ça m'aide toujours. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye!